D'autres Molotov, des munitions, des sacoches. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Redites-moi votre plan. Comme je disais, trouver un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner, se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Et quand je les aurai distancés un peu... Vous les ferez tous sauter. Bingo. On répète l'opération deux ou trois fois, et on peut dire adieu à la horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, Saint-John. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. Tiens, attrape! Yeah.
plaît, hein? Oh, t'aimes ça, hein? Ouais! T'aimes pas ça? De la viande fraîche! Venez, bande de fils de pute! Et ça, amenez-vous! Et un de moi! Alors, ça te plaît, hein? T'aimes ça, hein? Ouais! Oh, quoi? T'aimes pas ça? Sur vous. Ouais, je suis au courant, ouais. Oh, t'aimes ça, hein? Ouais. Oh, quoi? T'aimes pas ça? De la viande fraîche! Venez, bande de fils de pute! Et ça, amenez-vous! Et un de moi! Alors, ça te plaît, hein? T'aimes ça, hein? Ouais! Vous paumez pas! C'est par là que ça va aller! Oh, quoi? T'aimes pas ça? De la viande fraîche! Venez, bande de fils de pute! Ça, amenez-vous! Et un de moi! Alors, ça te plaît, hein? T'aimes ça, hein? Ouais!
pas tout à fait. Dites-moi que je les ai tous eus. Je crois pas. Vous avez réussi. Vous avez exterminé une horde tout entière. Ouais! C'était du gâteau! Sarah, t'es là? Lieutenant Whittaker, ici le caporal St. John. Au rapport, à vous. Et où est-ce que t'es? Capitaine, je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle? Ouais, elle sera ravie. Sans doute. Vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok. Vous l'avez mérité. Bien sûr. Terminé. On a réussi. Vous avez réussi. Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi? Vous avez déjà eu une horde aux fesses? Ça stimule la libération d'adrénaline. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Alors? Ah, désolé, lieutenant. Eh merde. Ça a pas marché? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux? Vous auriez dû voir ça, on leur en a mis plein la gueule. Génial! On va fêter ça ce soir, au mess des officiers. Super! Qui sait qui va avoir une promotion? Hé, hey, vous venez? Vous savez quoi? Je vous rattrape. Il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe? Où est le lieutenant? Caporal St. John. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé? Où ça? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Madame, ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. Au repos, capitaine. Et l'Éternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu... Juste devant moi, parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça! Colonel, attendez! Hé hey. Ça va. Ça va. Madame, j'ai le matériel que vous avez demandé. Entrez, suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez, soyez prudent quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. St. John, ici le capitaine. Encoury, répondez. Je suis là, capitaine. Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ses quartiers, dans l'arche. Ses quartiers? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas attendre, caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important.
Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. Un projet important? Quel projet? Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre. À la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les Modoks. Il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes réduits. Colonel, je le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible personnelle. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, Cabrol. Sarah, t'es là? Réponds. Caporal Saint John, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat. Salut, Weaver. Oh, Caporal Saint John, entrez, entrez. Visez un peu mon petit chez moi. Ouais, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Ouais, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Oui, c'est pas faux. Besoin de quelque chose? Non, 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 mec, ça va. Vous savez quoi? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez? Non, quoi? C'est ça. Rien. Le colonel est pas vraiment du genre mélomane, vous voyez. Il doit être mélonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein? Quoi? La danse? Les mélonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oubliez ça. Ah, sans deck. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref, du son, quoi. C'est une blague? J'ai l'air de blaguer? Ok. Merci. Sarah, t'es là? Réponds. Caporal Saint John, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi. Désolée, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, caporal. Ça dit que vous voulez que je cueille de la ciguë aquatique? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Klamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Klamath, c'est noté. N'oubliez pas, caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord, je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler leur nid. Brûler leur nid. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, caporal. Whittaker, terminé. Sam John, vous êtes là? Weaver, oui. Je vous entends mal, par contre, ça coupe. Ah, c'est cette maudite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moindre signal. Hé, je sais où vous pourrez trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça? J'étais dans le camp de réfugiés d'une fac quand il a été pris d'assaut. Une fac? Celle à l'est d'ici, sur l'autoroute 97? C'est ça. Le territoire des Fighting Platypus, ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris ma musique. Ah, merde! Faut que j'y aille. Faites-moi signe quand vous serez arrivé. Terminé. Ok, Weaver, pas de soucis. J'ai besoin de cartouches de fusil à pompe. Il me faut des molotovs pour cramer ces nids.